Ce livre est paru l'été dernier et a remporté le prix du roman de l'Académie française. En juillet 2016, vous vous en souvenez probablement, le père Jacques Hamel a été décapité en pleine messe dans l'église de Saint-Étienne-de-Rouvray, un acte ignoble perpétré par deux jeunes terroristes. À travers le parcours des assassins appelés ici David et Hicham, on comprend, sans cautionner, comment ils en sont arrivés à commettre l'irréparable. On assiste à leur radicalisation, à l'engrenage dans lequel ils sont entrés via des rencontres, notamment en prison, souvent vecteurs de propagande. On découvre également le chemin de trois autres personnages, donc le père Georges Tellier, qui représente évidemment le père Hamel, sœur Agnès et Frédéric, qui est policier. Les chapitres se concentrent tour à tour sur l'un des personnages, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent tous ensemble pour le pire. Malgré le sujet délicat, l'auteur a su être juste dans son écriture. Il y a des passages parfois révoltants qu'il décrit avec une pondération incroyable parce qu'il n'est pas dans le jugement. Il décrit simplement les problèmes de notre société. Il offre par la même occasion une comparaison intéressante entre le catholicisme un peu vieillissant et un islamisme plus pratiqué. C'est aussi une réelle réflexion sur le rôle de la société et des médias qui peuvent influencer les jeunes esprits en manque de repères. Des adolescents, pour la plupart, à l'image de David et Hicham, victimes de crises identitaires dans une France qui ne les accepte pas toujours.